Bonjour, monsieur, madame. Nous sommes en famille ukrainienne qui sont venus de la capitale de l'Ukraine, à la ville de Kiev. Moi, je m'appelle Valeria Kovalevska. Ce sont mes grands-parents, Valérie et Larissa Kovalenko. Nous sommes venus en août et notre situation était assez incertaine parce que nous n'avions pas ni logement et nous ne savions pas comment légaliser à Lille. Et donc, nous avons d'aller immédiatement à la mairie de Lille. À l'entrée, nous avons vu les drapeaux de l'Ukraine, l'affiche solidarité avec l'Ukraine. Nous avons compris qu'ils vont nous aider. Je dois exprimer ma profonde gratitude à la maire de Lille et les personnels de la mairie, puisqu'ils ont créé les meilleures conditions pour créer les réfugiés ukrainiens ici à Lille. Et la mairie a donné un coup de main. C'était le soutien très, très moral, organisationnel et informatif. Et c'était très, très important pour notre citoyenne ici. Maintenant, je fais ici des études en droit sur la première licence. C'était toujours ma rêve d'étudier le droit parce que dans notre famille, il y avait 8 juristes. J'ai validé mon premier semestre et donc je suis très heureuse de ça. Bien sûr, il y a quelques difficultés avec la compréhension de langue, le terme juridique et d'autres termes. Mais je sais toujours que les étudiants français, les professeurs, la scolarité vont m'aider toujours. La première chose qui crève les yeux, c'est l'hospitalité des gens qui sont autour de nous. Et c'est la chose principale dans l'île. C'est impressionnant. А в наших теплих спогадах буде місто Ліль, ті люди, яких ми тут зустріли. І ми зможемо запросити їх в вільну, незалежну Україну.